Fils et fille du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous, fils et filles du bon Dieu, en ce jour, samedi de la cinquième semaine du temps de carême, année liturgique. B. Une fois de plus, découvrons Jésus-Christ qui donne sa vie pour chacun de nous, pour se rassembler dans l'unité, les enfants de Dieu dispersés, fils et filles du bon Dieu. Oui, le Christ a été livré pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu qui ont été dispersés. Et c'est par sa mort sur la croix qu'il donne à chacun de nous des grâces en abondance, fils et filles du bon Dieu. Attentement à l'unité, les organismes internationaux en sont l'expression. Mais se fait-il d'une action administrative pour rassembler et réunir les hommes? Ne faudrait-il pas plutôt une personnalité absolument exceptionnelle faisant l'unité autour d'elle et dont la fascination serait irrésistible parce que fondée sur le témoignage de sa vie et de son sang? Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est présenté comme celui qui donne sa vie pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Le prophète d'ailleurs avait déjà développé ce thème de rassemblement des dispersés au moment de l'exil à Babylone. Ézéchiel, le chapitre 37, versets 21 à 28. Oui, Dieu rassemblera les dispersés d'Israël. Oui. De sa terre d'exil, le prophète annonce que Dieu lui-même rassemblera tous les membres de son peuple en quelque endroit qu'il se trouve et il mettra à leur tête son lieutenant, le roi David. Oui, prophétie qui ne s'accomplira en plénitude que lorsque le fils de David fera entrer des hommes et des femmes dans son royaume auprès de son sang. Oui. La parole de Dieu nous dit ceci, « Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils y sont allés. Je vais les rassembler de partout. » Oui, les hommes aspirent à l'unité, être ensemble, être d'accord, aimer et être aimé. Il se fait du bon Dieu. Cette prédication, c'est pour que nous puissions demeurer dans cet amour. Nous puissions nous rassembler parce que nous sommes des fils et filles de Dieu. Et pourtant, l'humanité a toujours été déchirée et les conflits d'aujourd'hui sont dans sans doute plus profond que jamais. Mais l'aspiration subsiste comme un souhait du bonheur. Quel est l'homme qui ne préfère pas la caresse au coup de poing? Quel est l'enfant qui ne préfère pas la paix familiale à la guerre entre ses parents? Quelle est l'entreprise où les travailleurs ne préféreraient pas la concertation et la solidarité à l'atmosphère de suspicion, j'allais arriver, et de domination? Oui, coopération et dialogue au lieu de rivalité et blocage. Dieu se présente comme rassembleur. Oui, je vais rassembler mon peuple, nous dit le Seigneur. Essayons d'évoquer ce souvenir des efforts des hommes pour vivre plus de solidarité, pour s'entraider, pour dialoguer. C'est Dieu à l'œuvre. Lorsque tu cherches à dialoguer, lorsque tu cherches à vivre dans la solidarité, l'amour, aimer et être aimé, c'est l'œuvre de Dieu, fils et fille du bon Dieu. Oui, évoquons également les situations contraires dans notre monde d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine qui divise. Et pourtant, les gens peuvent s'asseoir pour se dire comment vivre dans l'unité et la paix. Le racisme, le nationalisme. Parfois, des chrétiens, ça ne nous échappe pas. Des conflits, les silences, le refus de faire le premier pas. Esprit de parti, orgueil, pardon. Fils et filles du bon Dieu. Demandons le pardon au Seigneur. Réconcilions-nous, fils et filles du bon Dieu. Les déchirements entre frères et sœurs à cause du terrain, entre époux à cause de l'infidélité, entre nations, entre groupes sociaux, entre églises, entre communautés dans une même communauté. Enfants du même Père, aimés du même Dieu. Aimons-nous vivants, fils et filles du bon Dieu. Tout déchirement entre des frères déchire d'abord le cœur de Dieu. Les conflits dans l'église, ça déchire le cœur de Dieu. Les conflits entre les hommes de Dieu, ça déchire le cœur de Dieu. Toute division entre des gens faits pour s'entendre est d'abord contraire au projet de Dieu. Oui,
et pour l'Église. C'est un scandale qu'il soit un afin que le monde croit. C'est par l'amour. Si nous vivons dans l'amour, nous sommes des artisans de paix. En ce moment-là, on est appelé fils de Dieu, nous dira les béatitudes, fils et fille du bon Dieu. Les réputations de Dieu est engagée dans le témoignage d'unité que donne ou ne donne pas une communauté chrétienne. La désunion des chrétiens, fils et filles du bon Dieu, qui fait pleurer Dieu, le refus du dialogue et de recherche commune, empêche de reconnaître Dieu, empêche qu'on puisse être véritablement des fils et filles de Dieu. Les nations ne seront pas qu'il est le Seigneur si cet effort d'unité n'est pas fait pour reconnaître la grandeur de Dieu, pour être véritablement des fils et filles de l'Éternel, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean le chapitre 11, versets 45 à 57. Jésus meurt pour l'unité des croyants. Jésus meurt pour notre unité. Est-ce qu'on y pense, fils et filles du bon Dieu? Les autorités religieuses suprêmes trament un complot contre l'envoyé de Dieu. Les personnages les plus doctes ne sont pas toujours les plus accueillants à la vérité. Mais dans leur refus même, les richesses doctrinales qu'ils ont acquises peuvent s'exprimer comme à leurs dépens. C'est le cas de la parole du grand prêtre où l'évangéliste voit une prophétie de la mort rédemptrice du Christ et de sa conséquence, le rassemblement de tous les fils et filles de Dieu. Oui, le grand Sanhédrin tient conseil, la décision se précise. Nous allons voir une sorte de compte rendu de séance des délibérations. Oui. C'est pour une raison sérieuse qu'il condamne le Seigneur. Une raison religieuse ou bien une raison d'État. Fils et filles du bon Dieu. Oui, Caïphe, grand prêtre, dit, « Il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple, afin d'éviter que la nation tout entière ne méprise. » Oui, Caïphe s'imaginait bien dire une parole intelligente humainement. En fait, sans le savoir, il accomplissait le plan de Dieu. Oui, le plan de Dieu s'accomplit toujours pour ses enfants, pour ceux-là qui ont mis leur foi dans le Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, demandons au Seigneur, méditez longuement les paroles d'aujourd'hui où Jésus devait mourir pour la nation et non seulement pour la nation, mais encore pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Oui, rassembler tous les hommes dans l'unité. Faire s'aimer les hommes divisés. Rapprocher ceux qui sont opposés. Et pas seulement ceux de ta race, mais jusqu'au bout de la terre. Rassembler les autres, c'est être chrétien. Parce qu'ils sont enfants du même Père. Ils sont enfants de Dieu. À chaque instant où notre cœur est fermé au pardon, nous ne sommes pas enfants de Dieu. À chaque instant où la haine envahit notre cœur, nous ne sommes pas enfants de Dieu. À chaque instant où l'esprit de division s'installe en nous, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Oui, le but du Seigneur pour chacun de nous, c'est rassembler tous les hommes dans l'unité. C'est faire s'aimer les hommes divisés, rapprocher ceux qui sont opposés, et pas seulement ceux de ta race, mais jusqu'au bout de la terre. Oui. Ce n'est pas une vision politique ni même simplement humaine qui guide le Seigneur. C'est beaucoup plus profond que toutes les notions d'humanitarisme, j'allais arriver, ou de solidarité naturelle. C'est aussi le secret de chaque célébration eucharistique, de chaque messe. Voici mon corps livré, voici mon sang versé. Jésus se donne pour entraîner dans son mouvement d'amour toute l'humanité, fils et filles du bon Dieu. Humblement, nous demandons au Seigneur cette grâce du rassemblement. Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés en un seul corps, fils et filles du bon Dieu. La fraternité totale de la famille humaine, la famille de Dieu, est un don du Père, mérité par le sang de Jésus. L'humanité déchirée d'aujourd'hui a toujours autant besoin de ce sacrifice. Racisme, opposition, lutte et violence. L'humanité est un grand corps écartelé. Le Christ a donné sa vie pour qu'elle devienne en lui un corps
unique Fils et fille du bon Dieu. Demandons la grâce au Seigneur afin que la paix règne dans nos familles. Afin que l'amour règne dans des familles, non pas seulement dans des familles, même dans notre propre église, qu'il y ait la paix, l'amour, la solidarité et surtout l'unité. Coronum et anima una, un seul corps, un seul cœur, une seule âme. Voilà des vrais enfants de Dieu et demeurant dans cet amour, dans cette solidarité. Aimons-nous vivants. Et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le père Paul Dies Tounou depuis la paroisse, de retour dans la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Fils et fille du bon Dieu, je vous souhaite à chacun de vous un bon week-end, une sainte préparation à la fête des Rameaux qui va nous ouvrir dans la semaine sainte et vivrez la résurrection au plus profond de notre cœur, au plus profond de nos cœurs, pour la restauration de nos vies, pour la restauration de notre pays, le Gabon. Aimons nous vivons. N'oublions pas, Kipe, Yayo et Tokos, en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux, les bras ouverts sur mon passage.